Aujourd'hui, 99,99% des politiciens de droite n'ont qu'une peur, qu'une crainte, qu'une frayeur, passer pour des fascistes. Pour cela, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à ne plus rien dire, à ne plus rien voir, à ne plus oser même penser. En somme, toute la politique française, toute la politique occidentale contemporaine fonctionne encore selon le vieux schéma stalinien qui ne s'est jamais aussi bien porté. Qu'on se le dise, mes amis, fascisme aujourd'hui est le mot le plus dangereux au monde. Il hante des milliards de cerveaux, il détruit toute vie politique sur son passage, il détruit toute vie intellectuelle sur son passage. Il est grand temps que cesse cette colonisation intellectuelle de l'humanité, voulue et calculée par le cerveau malade de Joseph Staline et qui, entre autres, censure tout débat sur l'immigration, la sécurité ou l'identité en France en 2022.